Se passe des choses bizarres. Je devrais peut-être démarrer la console. Non, toujours. Bah, c'est pas grave. De toute façon, j'adore Xbox. Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. Mauvais plateau de tournage, c'est juste là-bas. Ah, de toute façon, je fais même pas partie de cette émission. Alors pourquoi tu dis ça? Je cherche pas à comprendre. Rendors-toi. Ouais. Et salut à tous, ici Van Next, Retro Nico, et le stagiaire. On s'en fiche de toi. D'accord. T'es inutile. D'accord. Et on se retrouve pour Gameek. Au sommaire, les news. Avec Uncharted 4. Et Mirror's Edge Catalyst, la bêta fermée. Ensuite, il y aura les tests de Undertale. Mr. Drunk Square. Et pour finir, la vidéo Buzz. Si, la chronique du stagiaire. Non. D'accord. Uncharted 4 développé par Naughty Dog. Ouais. Qui va sortir sur PS4. Ouais. Le 10 mai. Ouais. Mais pourquoi? Dégage. Non. Et qui ne sort pas sur PC. Peggy 16. Nathan Drake, ce petit voleur minable. Prêt à risquer sa peau pour un vulgaire trésor. C'est ce que tout le monde se dit. C'est ce qu'il pense de moi. Mais ce n'est pas moi. Mirror's Edge Catalyst, développé par DICE et édité par EA, et qui sortira mai-juin, on sait pas vu que les dates changent tout le temps, hein. Et il y a une bêta fermée qui est déjà disponible. Peggy 16. Je vais faire un petit crochet. Crochet du doigt ! Je vais donc faire un petit crochet par Minecraft 1.10 qui va sortir durant les semaines prochaines. Undertale est un jeu développé, édité et toutes les musiques ont été faites par Toby Fox qui est sorti le 15 septembre 2015. L'histoire, c'est le personnage principal qui tombe dans des souterrains et qui doit soit sauver, soit tuer les personnes sur son chemin.
Et les points forts, ben, les musiques sont géniales. J'avoue. Le gameplay est génial. J'avoue. L'histoire est géniale. J'avoue. Et point faible, je trouve que le style graphique n'est pas vraiment adapté pour 2015. Oh si, c'est sympa le style 8 bits comme sur une NES. C'est génial même. Oui, mais en même temps, toi t'aimes le rétro. C'est vrai. Il est reparti. Voilà. Mr. Drawing Square, édité et développé par Stellors. What? Non, 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 non. J'ai eu assez mal à l'épaule comme ça, merci. Ok. Donc, je reprends. Mr. Drawing Square, édité et développé par Stellors, sorti en 2015, raconte l'histoire d'un personnage qui est tombé dans le coma éthylique et qu'on doit faire ressortir de ce coma. Les points forts de ce jeu sont qu'il peut tourner sur un PC assez nul, du style PC portable. Valentin, il y a un mur. Non, mais ouais, non, bravo. Mur. Oh. N'est-ce pas, Valentin? Je me suis pas du tout visé. Ouais. Et les points faibles sont qu'il est extrêmement dur, mais c'est ce qui fait tout son charme. Je confirme. J'ai réussi avec Gaming pour enfin faire la chronique du stagiaire. Donc je vais vous faire un mini topo sur Clash Royale. C'est un jeu MOBA et un jeu de cartes créé par Supercell qui consiste à détruire la tour couronnée de son adversaire pour gagner. Bonne partie. Sont ces cartes qui seront nombreuses et franchement sont super bien, et son point faible c'est le côté mais très rageant quand vous perdez plusieurs fois, ça c'est super rageant. Et ça